marcher entre les deux jambes. Après, vous allez jusqu'ici. On passe après par les côtés. Alors, lorsque je pratique le Tai Chi, là, ça fait personnel, en fait, je vais prendre le poids à l'intérieur. Mais moi, sur le côté ici, je vais chercher à pousser, un peu comme si. Un peu comme si je vais pousser là. Donc, le droit sur le côté, et avec la main gauche ici, je déséquilibre très haut. Là, je fléchis les jambes, je tends les jambes pour qu'on aille plus vers le mouvement. Ici, là, ça peut être très ressort. J'y sais, on se tend les jambes pour m'en projeter. Voilà, au départ, je pousse un peu plus loin. Voilà, sur la montée d'un côté. Voilà, tranquillement. Voilà, petit à petit, quand on avance là dans le temps. Et je pars. Je prends le temps que je me pose ici, je pousse. C'est bien. La main droite, je rappelle que vous avez touché la main droite, c'est ce que vous avez fait. J'allais derrière. Ça nous vend le bras. Donc là, on va se mettre sur les bras pour prendre la hanche. Vous voyez, on fait ma jambe de gauche. On va aller. Deux jambes par ici. Thank you.
je vais vendre très cher. Si je fais lâcher, au bout de trois fois il ne se passe rien, je penche deux. Troisième fois. L'idée c'est de faire lâcher pour construire. Okay. Alors, soit comme ça directement je fais lâcher, ou alors ça pourrait être aussi, hop, je fais lâcher le revers. Là, je fais lâcher le revers. Donc là il n'est pas bien du coup parce qu'il ne tient plus rien. Voilà. Et donc je me déplace. Donc il veut saisir. En saisissant, donc là ici, il veut évidemment son pied, donc il veut faire bien, et je projette.
ou directement ici. Je vais lâcher. Donc, même chose ici, je prends appui sur mon pied droit. Fléchissez, tendez la jambe. On utilise tout le corps, pas que les bras. Là, on n'est pas efficace que si c'est que sur les bras, ce serait dommage en fait de ne pas faire participer en fait tout le reste du corps. Fléchissez. Je fais la chute. Je déplace, il n'est pas bien. Si pied gauche, pied droit, et je prends. C'est une forme de Kosoto. Kosoto Gari, Kosoto Gaki. Donc l'idée, c'est un peu comme pour Uchi Gari tout à l'heure que je vous ai montré, tout le corps va participer à l'action. D'accord ? Donc c'est pas simplement ça. Ça pourrait être, hein, mais c'est une autre technique, c'est autre chose. Hein. Okay ? Donc là, j'avance mon pied gauche, pied droit. Mon pied droit est au sol. En approchant, plus ou moins. Même chose, l'idée c'est pour le faire réagir. Donc en même temps, je vais pousser. Alors c'est pareil, si jamais il ne réagit pas, je projette. Hein. Alors, pied gauche, je rappelle, c'est garde opposée, gaucher droitier. Pied gauche, pied droit. Voilà. Donc là, je recule le pied, ce qui fait que je vais reculer plus ou moins mon pied droit. Donc gauche, droite, droite, et après, je projette. J'avance le pied gauche, le pied droit. Ok, je recule plus ou moins le pied droit. Pas bien placé. Ensuite, je vais essayer de toucher. Cette jambe me gêne. Cette jambe me gêne. En marchant sur le pied, vous faire. D'accord. Pied gauche, pied droit, L'idée c'est de projeter sur la main. Il réagit. Pied gauche, pied droit. Gauche, droite. Allez, vous. Droitier, gaucher. Mon bras droit à l'intérieur. Et il part. Donc, il y a plusieurs façons d'esquiver. Okay, donc, moi, je pars sur la gauche. Et mon idée, c'est justement de placer mon genou droit vers la gauche pour prendre la bonne élan, afin de placer la jambe devant et projeter sur les. Oui, donc là, j'ai un bon élan. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la forme particulière, après ce genre de technique, on peut très bien, là, ça suffit. Hein. Reste comme ça. Là, j'esquive, je place mon pied devant et je projette. Quand il y a un contrôle, ça marque quand même. Hein. Faut pas dire, lorsqu'on est arbitre, ah bah tiens. On n'a pas vu taille de chi, il n'y a pas de technique, donc c'est rien. Donc il y a le contrôle du corps, cherche à marquer les points, même si le pied est là, là, là ou là, ils font quand même. Bon. Voilà. Moi je peux faire à gauche. Alors, prendre un bâton à gaucher, Simon. Maxime. Il ne reste qu'une technique derrière. On peut voir les tailles de chi devant, ce n'est pas forcément une erreur, mais le déséquilibre que j'affectionne sur cette technique, c'est le bras sur le côté. Okay. Donc là, l'idée, vas-y, c'est de contrôler le bras. Là, je le contrôle. Et ensuite, si je vais pousser légèrement avec l'anche. Voilà. Mais pas trop non plus, parce que je veux profiter du fait qu'il cherche à me déséquilibrer sur l'avant droit, justement, parce qu'il va tirer malgré tout, il va quand même insister, donc il va tirer avec cette main gauche. Donc moi, je vais esquiver. Voilà, mais je rappelle encore, je pousse avec la hanche ici.
plus important. Après, ça dépend du placement. Ça peut être sur Ukiwaza, ou ça peut être sur Sunibé. Je vais serrer les deux. Non. Donc là, attention, c'est au niveau du coude. On ne se laisse pas déséquilibrer. À la limite, je pourrais, dans l'idée, je pourrais ici faire. Hop. C'est pas possible. Ok ? Si je me pousse. Je me pousse ici. Donc là, c'est pas bon. C'est fichu. Donc je contrôle mon hara. Là, il ne contrôle pas le ventre. Là, il pourrait contrôler le ventre ici. Là, il va lancer Ushimata, c'est mort. D'accord ? Même s'il lance Ushimata, vas-y, lance Ushimata. Si je pousse avec ma hanche. Donc là, il ne peut pas. Mais malgré tout, il va tirer ici. Donc moi, j'en profite pour esquiver. Non. Ukiwaza. Pour que la technique. Tirez, ramenez. Soumise du corps, il ne contrôle pas mon ventre. Voilà. Et dans ce schéma, je peux pousser. Là, malgré tout, il tire ici, je profite. Bon, après, si on veut se faire plaisir. Mais on fera un risque quand même. Hein. Donc là, on montre ici, par rapport à pour les compétiteurs, par rapport à l'épreuve, on montre qu'on a le contrôle. J'ai le contrôle du mouvement, c'est moi qui contrôle. Mais pour un maximum, sinon je ne peux pas passer. Donc là, il reste quand même un certain pourcentage pour attirer.